Allez. Ah oui. Oui. Allez. Il traverse la ligne de défense des Nakama. Dernière chance avant le coup de sifflet final. Il traverse la ligne de défense des Nakama. Dernière chance avant le coup de sifflet final. Jinx, t'en as pas marre de ce jeu à la longue? Ouais, tu fais un boucan du diable à chaque fois que tu joues. J'arrive même pas à comprendre que tu joues à ce truc, mon frère. Pourquoi tu veux jouer au football virtuel alors que tu vas jouer pour de vrai contre les Nakama demain? Super League 3000X, c'est exactement comme du vrai football, Kujo. Excuse-moi, Jakes. Les jeux vidéo, ça ne m'impressionne pas. Et là, c'est la balle vient de lui échapper. Une belle occasion manquée. Ce jeu est un peu dépassé quand même. Mais apparemment, la nouvelle version va être carrément cool. Des graphiques incroyables et des effets sonores super réalistes. Ah ouais. Et aussi les meilleurs joueurs au monde. Prochainement, Super League 4000X. I'm finally here. My heart is pounding. 50,000 fans screaming. Get my breath, the whistle sounding. With every ounce of effort, every skill that I've got, I'll play the Super League's greatest, give them my best shot. Every minute of the 90, now I'm gonna be a fighter. Cause 1, 2, 3, I'm a super striker. Super Strikers! Tellement je suis excitée là tout de suite. Moi c'est Alix. Je fais la motion capture de vos techniques pour SL4000X. Salut Alix, moi c'est Shex. Uber cool. Non, lui c'est Shex, c'est pas Uber. Uber, lui c'est les Iron Tank. C'est une expression. Ah, soz, enfin, désolée. J'avais oublié comment les vrais gens parlent. C'est dingue. Vous êtes prêts pour la visite guidée? Hein? Yo, 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 yo! Est-ce que ce serait pas Moule Joe? Est-ce que c'est juste les égouts qui remontent ou bien c'est ce minable joueur de ping-pong? On dit tennis de table, gros naze. Pas besoin de faire les présentations, j'imagine. Hé, hey, les gars, lui, c'est Chill John. Le numéro 1 mondial des joueurs de ping-pong. Tennis de table. Le moindre truc dont il entend parler... Ouais, vraiment le moindre petit truc. Il faut absolument qu'il vienne vous le piquer. Baratin! Dépasser ses techniques de débutant, gros naze. C'est moi qui lance les tendances. Ton style est ringard, Cool Joe. Ta touche fait plus de mouche. La visite commence. Vous me suivez, les garçons? Ici, c'est les programmateurs. C'est des génies super intelligents qui imaginent le jeu. Les testeurs qui passent leur temps à jouer aux jeux vidéo et s'empiffrent de chocolat. Cool. Je pourrais déposer un CV? Ici, nous avons notre studio son. Les vrais joueurs et les vrais coachs de la Super League viennent enregistrer leur voix pour notre prochain SL4000X. Ouais, c'est tant mieux. Parce que les effets sonores dans la 3000 sont un peu pourris. Fin du match! Tu as perdu! Fin du match, tu as perdu! Wow! Ok, on y est presque. Vous pourriez être un peu plus estival, plus solaire? Quoi? C'est pour un bulletin météo ou du football? On reste zen, on y était presque. Prise 346, ça tourne. T'abandonnes. Et pour terminer, là où se produit la véritable magie... Les Super Strikers? Le studio Motion Capture. C'est là que nous enregistrons les moindres détails de tous vos mouvements. Les moindres détails, hein?
Oui, c'est ça! Génial! C'était ébouriffant! Refaites-le une fois, mais bien face au micro cette fois, d'accord? Bienvenue dans notre studio de motion capture! La position et le mouvement des capteurs de votre combinaison seront enregistrés par des caméras spécifiques et les données seront envoyées dans ces puissants ordinateurs. Parfait, Alex. Évitez de motion capturer ça, d'accord? Vous en faites pas. La seule chose que je peux enregistrer, c'est toutes les techniques mythiques des Super Strikers. Joli travail! Cool Joe, on vous attend! Combien de fois faudra que je vous le répète? Les jeux vidéo, c'est vraiment pas mon truc. Mais le jeu ne sera pas le même sans les quatre techniques de balles liftées. J'en sais rien, mon frère. Allez quoi? D'accord, d'accord, je vais le faire. Hey, on peut savoir ce que vous faites là? C'est pas le vendredi cosplay? Attendez voir. Non. Oh, je me sens tellement ridicule. Faut pas. Il déchire votre look. Génial ce costume. Oh, merci. Hey, pourquoi n'échangerions-nous pas? Sérieux? Sérieux. Genre sérieux, sérieux? Sérieux, sérieux. Genre... Sérieux! Préparez-vous pour les 4 techniques de balles liftées. Rotation par la gauche. Rotation par la droite. Rotation arrière. Comment arrive-t-il à faire tourner le ballon comme ça? C'est carrément incroyable! Et je suis impatient de voir ce truc-là dans notre jeu vidéo. Rotation par l'avant. Elle est pour moi, laisse-la, elle est pour moi. Ah, d'accord, je te la laisse. Cool Joe, vos techniques sont totalement mortelles. Merci, la frangine. Et vous deux, comment vous saviez où la balle allait se diriger? L'entraînement, ça rend parfait. Disons plutôt l'entraînement. Et l'entraînement, ça rend parfait. SL4000X va déchirer. Vous nous avez carrément aidés. Oui. Vous nous avez vraiment énormément aidés, chers Super Strikers. Et enfin, les voilà. Les 4 techniques de ballon lifté de Cool Joe. Apprenez-les, repérez-les, interceptez-les. Il s'agira toujours d'une de ces 4-là. Et ça, ça nous donnera un avantage plus que certains sur les Strikers. Hein? C'était ce rire-là que j'aurais dû faire. Aujourd'hui, Nakama rencontre les Super Strikers en direct depuis le Gashoku Stadium. Ces deux équipes rivales ont des statistiques équivalentes. Mais si un joueur peut faire toute la différence, c'est Cool Joe, le roi des centres. En voilà d'ailleurs un. Shex et El Matador sont à leur poste. Lequel des deux récupérera la balle? Quoi? Belle interception de Miko Chen. Ça serait bien que la prochaine fois Kujo se sente inspiré de m'envoyer la balle, non? Ils sont jamais aussi dangereux que lorsqu'ils contre-attaquent.
Les Super Strikers tentent de resserrer les rangs. Mais c'est peine perdue. Oui, les Nakama remportent ce match aller. Il semblerait que le roi des centres ait été déchu. Vous avez perdu, les Super Strikers. Ah. Fin du match. Tu as perdu. Kuljo, quoi? Je crois que je sais pourquoi Nakama peut prévoir tes balles liftées. Ah, vraiment? Et comment? Uragiri était au studio de motion capture hier. Rembobine là, mon frère. Uragiri était où? Désolé, j'imagine qu'il a vu tes techniques. Qu'est-ce que je t'avais dit? Tout ce machin truc digital, la motion capture, le Bluetooth... Ça n'a rien de bon, mon frère. Hé, hey, Kuljo! Tu devrais penser à ce qui arrive à mon ego quand j'arrive pas à marquer le but, amigo. Alors ne sois pas aussi égoïste, hein? Merci d'être venu. Rassurez-vous, on aura notre revanche lors du match retour. Et comment, Shakes? Uragiri a vu toutes mes techniques. Les quatre techniques de balles liftées ne sont plus un secret pour personne. Eh, hey, faut voir le bon côté, Kuljo. Ça peut difficilement être pire. Yo, 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 yo! Te bille pas! J'ai déjà signé celui-là pour toi. Paddle Power? J'ai vu Nakama te coller la honte, Kuljo. Je t'ai dit que j'étais le nouveau roi du lift. Mais t'en fais pas! Peut-être que tu pourras apprendre 2-3 bricoles grâce à mon jeu. Je fais des lifts que t'imagines même pas, mon vieux. Ha! Oh, vu que t'aimes les jeux, Shakes. Entraîne-toi au ping-pong en attendant la sortie du nouveau jeu de la Super League. Des lifts de table, abruti! Des lifts qu'on n'imagine même pas, hein? Les lifts sont pourris. Niveau 10, minable, c'est pas mal. Niveau 24, seras-tu le prochain expert en lift? Niveau 36, t'as des techniques de débutant. Niveau 50, bravo! Nouveau lift débloqué, le tir bouchon! Ouais! Wouhou! Oh, je savais que j'y arriverais. Oh. Il faut que j'aille voir Jim John! Oh, enfin, Shix, tu pourrais au moins te laver les mains! Merci pour ton aide, Alix. C'était le moins que je puisse faire après mon méga bug avec la mocap. Voilà, c'est ici. Mais je sais pas du tout comment on va rentrer. Surtout si on considère le fait que t'es pote avec Kuljo. Sous couverture, bien sûr. J'ai pas envie de dévoiler mon jeu. C'est un petit peu tard, non? C'est avec ça que Kuljo pourra battre les Nakama. Alors, à qui le tour? Qui veut défier le roi des lifts? Shakes! Qu'est-ce que tu viens faire ici? Je suis là pour ton tire-bouchon. Sérieusement, Kuljo, il y a un cinquième lift. Et je sais comment tu peux l'apprendre. Je t'en prie, Shakes. J'ai déjà bien retenu la leçon. Pourquoi est-ce que je devrais encore écouter tes conseils? Tu devrais au moins l'écouter, Kuljo. Ouais, c'est vrai. On a besoin de toi sur le terrain.
Ou sinon, comment je fais pour marquer les buts? Mais qu'est-ce que ça change? Tout ce que je sais que ça fait ces derniers jours, ça a été de jouer au Paddle Power. Ouais, et c'est un peu comme ça que j'ai découvert le cinquième lift, figure-toi. Les jeux vidéo, du tennis de table, Chill John. Cool, c'est jamais que les trois choses que je déteste le plus au monde. Le cinquième lift existe, c'est moi qui l'ai inventé. Je te crois, et quand je l'aurai vu de mes yeux. Pour vous aider à apprendre le tire-bouchon en mode haut débit, on va le mot-capter et l'analyser. Exactement comme Uragiri l'a fait avec tes lifts. Après tout, si un jeu vidéo nous a mis dans cette situation, alors peut-être qu'il peut nous en sortir. Il y a un autre petit truc. Tout comme dans Paddle Power, le tire-bouchon va devoir être débloqué. C'est une blague. Je veux prouver une fois pour toutes qui est le meilleur lifter de nous deux. Je l'ai déjà dit. Le ping-pong, très peu pour moi. Tennis de table! Il faut que je marque Kuljo, alors fais-le pour moi. Et pour l'équipe, évidemment. Tout ce que tu as à faire, c'est marquer un point contre lui. C'est le jour de match à Strikerland! La semaine dernière, nous avons vu que le niveau de ces équipes n'était plus tout à fait comparable, comme c'était le cas jusqu'alors, Manda. D'ailleurs, le coach a procédé à un ajustement majeur. Klaus est sur l'aile gauche, quant à Kuljo, on se demande bien où il peut être. Franchement, avec les centres de Kuljo, c'est quand même plus facile de marquer. Mais non, mais non! Ok, peut-être un petit peu, c'est vrai. Vous en faites pas, les gars. Je suis sûr que Kuljo a réussi à marquer ce point. Yo-yo! Ce type joue comme un manceau aveugle. Arrête de faire ton numéro, le fumeur, et laisse-le te battre. Juste un tout petit point. Pas question, El Matador. Je veux gagner dans les règles de l'art. Oh, l'heure est mal choisie pour les problèmes d'amour propre. Laisse tomber ta fierté. Abandonne un peu tes principes, amigo. Pas question. Je dois absolument respecter mes principes. Je suis pas un gamer comme Shakes, moi. Je peux pas jouer au tennis de table comme Chill John. Je suis un footballeur. Tu peux réussir. Ah oui, tu peux le faire. Bravo, mec! Tu t'en sors bien, mec! Oh, allez, ouais! L'effet ne ment jamais, Chill John. Le meilleur lifter au monde, c'est toujours celui qui gagne! Du foot tennis de table? C'est quoi ça? Un accord est un accord, mon frère. La seconde mi-temps vient de démarrer. Et ça s'annonce beaucoup mieux pour les Super Strikers. Il faut dire que Kuljo est sur le terrain et il est immédiatement rentré dans le match. Wouhou! Allez, Kuljo! Même si Kuljo arrive à maîtriser le tire-bouchon, comment on fait, nous, pour savoir où va aller la balle? On n'a pas suivi d'entraînement pour ça, à nous, pas vrai? Ouais. Et de ce que j'ai vu, le tire-bouchon est assez capricieux. Tu vas utiliser lequel, Kuljo? On connaît tous tes lifts. C'est le moment. On va tester. Dites bonjour au cinquième lift. Enfin, espérons.
Le premier des quatre. Le ballon survole la surface de réparation. Et voilà qu'il surprend tout le monde. Mais c'était quoi, ça? Oh, alors ça, le lifter numéro 1, c'est toujours celui qui gagne. Oh. Ah, j'ai perdu! Génial! C'est crépusculaire! On va garder celui-là, hein? Oh, les gars! SL4000X est encore mieux que démentiel! Je t'ai encore battu, Raguiri! Ah, j'ai perdu! Salut les gars. Yo 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 yo. Ah Shake, tu joues encore à ce truc démodé. Tu sais la SL4000X. Ça vaut clairement pas notre nouvelle hybride Paddle Power versus Super League. Un jeu à la gloire du lift. Je viens juste de le recevoir d'Alix. Ça a l'air chambé, je peux essayer? Tu rêves mon frère, j'en suis seulement au niveau 41. Patience mon frère. Patience.